ಅಥ ರುದ್ರಯಾಮಳಯೋಕ್ತ ಶ್ರೀ ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ. Thank you.
bambina rainha. Et l'on pouvait grossir une parcelle de cette matière 100 fois, 100 millions de fois et plus de 300 millions de fois, on arriverait à distinguer les atomes dont elle se compose. Et l'atome, l'infiniment petit atome, est encore immensément grand par rapport aux particules qui le constituent. Il comprend un noyau central autour duquel des corpuscules appelés électrons gravitent à des vitesses inimaginables. Ce noyau central est la partie la plus lourde de la matière.